Salut et fraternité. Ça les chatouille, hein? La reconnaissance faciale et le crédit social à la chinoise. C'est dans les tuyaux du Sénat depuis un certain temps, hein? Ça les titille. Alors, ce qui est drôle, c'est que finalement, quand c'est en Chine, c'est pas bien. Ça, c'est une dictature, hein. Quand on repère les gens en drone, quand il y a la reconnaissance faciale dans les rues des villes chinoises, et le crédit social, évidemment, hein. Vous traversez pas dans les clous, on vous retire un point, hein, un petit peu comme nous avec le permis de conduire, hein. Ça, c'est pas beau parce que c'est en Chine, hein. De même, envoyer des chars sur les manifestants, c'est pas beau parce que c'est en Chine ou en Russie. Chez nous, c'est pas grave. Chez nous, on peut envoyer tabasser les manifestants. On peut même les mettre en prison. C'est arrivé, hein, avec les gilets jaunes et d'autres, hein. Mais c'est pas beau parce que nous, c'est différent. Parce que nous, on est dans une démocratie, une démocratie, hein. Retenez bien ce concept. Ça a été inventé il y a environ 3000 ans par les Grecs, hein, qui faisaient quand même de l'esclavage, hein. Faut pas oublier quand même que la démocratie grecque, le pouvoir du peuple par le peuple, ça s'accompagnait quand même pour les tâches un petit peu répugnantes, ce qui n'était pas beau à faire, que c'était chiant, hein, pénible, pénible, pénibilité. Voilà, ça, c'était les esclaves, hein, des prisonniers, des esclaves, des barbares, c'est-à-dire des étrangers. Barbares, ça veut dire étrangers, hein. Bref, des gens, des mal blanchis, quoi, des pas grecs, hein, donc des pas citoyens. Voilà, donc c'est la démocratie, à l'origine c'est ça quand même, il faut s'en souvenir. Hein. J'ai du mal à penser que c'est autre chose maintenant. On a un peu évolué parce qu'on a secoué le cocotier, certains. Hein. Certains esclaves, certains barbares, certains qui n'étaient pas du tout satisfaits de leurs conditions, ils ont foutu le bordel, quoi. Mais ça titille quand même la droite, dont j'ai parlé pas plus tard qu'hier, dans la nécessité d'un tribunal populaire, ça titille quand même beaucoup, beaucoup la droite qui a envie de remettre le couvert, hein, qui ne laisse jamais rien passer. Hein. Même ça, il n'accepte pas. Ça, il ne l'accepte pas. C'est-à-dire qu'il ne consente pas du tout à partager le gâteau et à partager leur pouvoir. Jamais. Faut le savoir. Hein. Alors là, on va nous balancer dans l'indifférence générale. Hein, sûrement, on est en train de réfléchir à une reconnaissance faciale à la française, c'est-à-dire démocratique. C'est-à-dire, oui, décidée par qui d'ailleurs? Décidée par qui? Par le peuple. Vous savez, nous avons décidé qu'il y aurait un jour une reconnaissance faciale dans les rues des villes. Déjà, on nous a balancé des caméras, hein. Partout, enfin, surtout chez les gens, je sais pas, qui ont des choses à se reprocher, hein, les maires. Hein. Il suffit de voir quels sont les maires qui ont fait installer ce mouchardage permanent. Hein, voilà. Donc méfions-nous. Et puis il va falloir trouver des combines, parce qu'en plus il s'agit aussi d'aller trifouiller dans nos téléphones. Ça, c'est dans les tuyaux aussi, hein, en toute démocratie, d'aller trifouiller dans nos téléphones pour voir ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on échange. Déjà, c'est un petit peu le cas. Mais là, ils iront directement dans mon téléphone, dans ton téléphone, camarade. Tu vois un petit peu? Bientôt, ce sera l'heure du laitier. Heureusement, il n'y a plus de laitier. Lactalis est passé par là, donc il n'y a plus de laitier. Donc, il n'y a plus d'heure du laitier. Mais ça fait rien, on va te chercher quand même à l'aurore. Hein. C'est plus solide, l'aurore. Hein. Allez, hasta la victoria.